La crotte de Malo, la totote à ma tante Charlotte, voici les noms des pâtisseries créées tous les ans pour le carnaval de Dunkerque. La tradition a été lancée en 2010 par les comtesses, deux copains figures du carnaval. Bonjour Josie. Mais qu'est-ce que tu tiens dans la main? Une boîte avec six zizi dedans. Depuis la disparition de Georges Koopman, alias la belle Josie, en 2019, Frédéric Carvalho, dit Marie-Agathe, continue d'imaginer seul la recette de la pâtisserie. Cette année, les carnavaleux ont découvert le zaran, un nom qui fait référence au traditionnel lancer de hareng depuis le balcon de la mairie. Le gâteau est confectionné dans une seule boulangerie à Dunkerque et vendu au prix de 2,20€. Tous les bénéfices sont reversés à la fondation du Dunkerquois solidaire et vous pouvez même en acheter le dimanche et les nuits de bal.